comprends, monsieur, mais comprenez-moi aussi, je peux pas vous envoyer une équipe pour défoncer votre porte sous prétexte que vous avez perdu vos clés. Et non, non. Et oui, c'est ballot. Excusez-moi. Je sais. Pardon. Bonne journée, monsieur. Le nouveau dans le bureau, là. Alors... Ah, mais j'ai pas cliqué sur ça, moi. Ah... Ouais... Entrez. Bonjour. Ah, lieutenant Fouché. C'est pas trop tôt, vous êtes en retard, hein. Ah bon? Parce qu'on avait dit 9h. Oui, vraiment dans un autre monde. Bon, allez, asseyez-vous, on a assez perdu de temps comme ça. Bien. Votre commissaire vous a envoyé pour nous aider à résoudre une énigme qui nous donne pas mal de fil à retordre en ce moment. À savoir... le vol d'un fauteuil roulant. Ok. Je vous écoute. C'est tout. Voilà. Tout est là-dedans, votre bureau est à côté, là. Ah, une petite question avant de partir. Les gens qui travaillent ici, enfin, je veux dire, ils sont compétents malgré leur handicap. Ça pose un problème? La porte! Oui, pardon. Témoin. Bonjour, je suis le lieutenant Fouché, je suis en charge de ce dossier. Alors on va commencer avec les questions de routine. Il me faudrait votre nom, prénom, afin de prendre votre déposition. Vous n'êtes pas français peut-être? Ok, j'espère que ce jeu va pas durer trop longtemps. Ton nom et prénom? Ah, ok, je vois. Vous savez quelque chose, mais vous voulez pas cracher le morceau, c'est ça? C'était qui alors? Votre pote? L'ami de la famille? Votre frère? Votre mère? Ah, ça vous gêne quand je parle de votre mère, c'est ça? D'accord. Alors là, cachez-vous ce fichu fauteuil? Dans le grenier? Dans la cave? Dans le garage? C'est le garage? Le garage, le garage. Oui, l'enquête est résolue. Dépêchez-moi vite une équipe. Vite, 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 il y a une perquisition à faire. Ah, vous êtes sourd et muet? Pardon, autant pour moi. Ah, vous auriez pu me le dire au début. Enfin, me l'écrire. Je suis désolé, avec le travail, j'ai pas le temps de manger. Dites-nous si on vous dérange, on peut revenir demain. Tout d'abord, merci d'être venu témoigner. Hein. Pardon. Bon, alors commençons. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la journée du 25 avril? Je crois que c'était un samedi. Mais t'es con, c'était un lundi, on est parti au cinéma. Un samedi? Un lundi. Un samedi? Top. Je voulais juste savoir ce que vous avez vu de si particulier ce jour-là, c'est tout. Avengers 2, je me rappelle. Ah ouais, trop nul ce film, trop d'effets, trop d'explosions, on aurait dit qu'il était intouchable. Arrête, t'as adoré. Chut, faut pas le dire. Je me suis allé, ça m'a marqué. Attends, c'est bon, hein, pour éviter tout malentendu, d'accord? Je vais replacer le contexte si vous voulez bien. Le 25 avril dernier, alors que votre ami Adam se reposait sur l'herbe après ses cours de roller, un individu mal intentionné lui a dérobé son fauteuil roulant. Je vous passe les détails, hein. accoudoir en cuir, jantalu, etc., etc. Vous étiez sur place, d'après Célia. Je vous demande juste ce que vous avez vu. Vous oubliez le plus important, son spoliure arrière. Bon, on va faire une pause, on reprendra un petit moment après. Fouché, il y a un sucre. Un sucre pour mon café? Sushi? Non, mais j'ai déjà mangé. Sumo. Insupportable, hein. Non, il y a un suspect qui a été interpellé en possession du véhicule. Un sumo. Imbécile. Comme si c'était facile, déjà. Merci beaucoup, officier. Alors ? Je crois que ta petite course s'arrête là. Tu nous as un peu fait courir, hein. Je veux un avocat, putain. Un petit peu de tenue, s'il te plaît. Un avocat, je veux un avocat. Un petit peu en boucle, hein. T'es pris la main dans le sac et tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Connard, va niquer ta mère. Pardon? Excusez-moi, j'ai le syndrome G2. De... Ta mère la pute! Autant pour moi. Rappel des faits, t'as été appréhendé ce lundi 4 mai à 15 h en possession d'un fauteuil roulant déclaré volé il y a une dizaine de jours. Ta traque a quand même mobilisé une équipe tout entière pour pouvoir rendre à ce... enfin... handicapé, trou de balle! Par chance, le fauteuil a été retrouvé en très bon état. Tu comparaîtras donc uniquement pour vol et tu seras jugé pour le préjudice moral que t'as fait subir. Suis-je bien clair ? Handicapé, mais pas incapable. Alors là, c'est le fiasco complet, hein, ce que vous avez fait. Ah si, si, si. Vous allez pouvoir retourner dans votre petit commissariat de banlieue. Allez, vous pouvez disposer. Ah, au fait, j'oubliais. Faites attention à vous, hein, parce que vous êtes handicapé maintenant. Eh oui. Je recommence. Ah, c'est pas facile, hein. Non, bah ouais. Non, ouais. Comme ça? Oh, allez, on se dépêche. Oh là là. Ok, Leo Davis. Laisse-moi parler de la story de la brigade spéciale. Elle n'est pas idéale, mais elle n'est pas banale. Elle est trop géniale. Nous avons ce jeune bloc-noir qui veut être impressionnant. Mais ce n'est rien autre qu'un des débutants, donc on a prudent. Laisse-moi te parler des gens qui l'entourent. Nous avons ce commissaire là, attention qu'il ne blague pas avec cette affaire là. Tu auras le sourire jusqu'à demain. C'est du lourd.